relation en fait qu'on a avec les autres, on est soi, on est censé être soi, et quand on a des enfants, on a tendance à vouloir les aiguiller, les guider, qu'ils aillent dans notre sens. Qu'ils aillent où ? Dans notre sens. Ah, dans ton ce sens. Qu'on aimerait, ce qu'on veut. Oui, mais ce que tu veux, c'est toi qui c'est moi. Pense. Mais on est parents, donc on souhaite guider la personne dans le bon sens, on imagine être le bon sens. Et ça a été fait depuis longtemps, ça. Voilà. Mais ça veut dire. Il n'y a rien qui a changé. Hein. Ça veut dire que moi, je suis un enfant, je ne suis pas en conflit au sens propre, mais on a des intérêts contraires. Ça veut dire qu'il faut que je laisse la personne libre oui. en face de moi. Oui. Parce que si tu lui imposes. Une personne libre, petite, en face de soi. Un enfant, comment on le laisse libre ? Non, tu as un enfant, tu es responsable. Il faut que tu l'apprennes à ne pas mettre le doigt dans la prise de courant quand même. Ne laisse pas faire tout. On est d'accord. Mais l'enfant, tu sais, moi, à mon sens, hein, c'est pas à toi d'apprendre à l'enfant d'être libre. Il va t'apprendre à être libre. Ok ? On n'a rien à apprendre aux enfants. L'enfant, écoute bien, regarde bien comment il vit. Et tu vas voir qu'il t'apprend des choses. On n'a rien à apprendre. Laisse les enfants tranquilles. Profite, apprends un peu. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je repensais à quand tu parlais de tes parents, avec tes frères et sœurs, qui voulaient faire plaisir et qui faisaient ce qu'on leur demandait, et d'un moment qui dit ben, l'enseignant, il faut que tu suives parce que ses conseils sont bons pour toi. Oui, oui mais je disais dans le sens sarcastique. Non, mais c'est ça, mais ce que je veux dire justement, c'est que je comprends bien que c'était sarcastique, mais tout parent va dans ce sens-là. Bien sûr. Et je ne peux pas laisser mon enfant. Enfin, si, je peux le laisser. C'est-à-dire que, tu vois, l'enfant, il a besoin de... On a besoin des uns des autres. Et notamment quand tu es dans ta maison, là, il faut que tu fasses le repas, il faut que tu lui donnes à manger. Tu sais, ça crée un lien. Hein. Ce lien, tu vas vouloir t'attacher, parce que, c'est, bien sûr, c'est ton enfant. Tu ne vas pas avoir le même lien avec ton enfant et l'enfant d'à côté, de ta voisine. Ce sera différent, le lien. D'accord ? Oui. Et moi, je dis, si tu aimes ton enfant de cette manière, alors ton amour est conditionnel. L'amour pour l'enfant n'existe pas. Il n'y a pas d'amour qui a un objet. L'amour n'a pas d'objet. L'amour aime, c'est tout. L'amour aime ton enfant. L'amour aime cet enfant. De la même manière. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de comparaison. Elle aime. L'amour aime. C'est tout. Maintenant, l'amour pour quelque chose, ben, il y a quelque chose à gagner. Il y a quelque chose qui me réconforte. Il y a quelque chose qui me dit, ben, ça, c'est important. Et qui c'est qui dit que c'est important ? C'est la pensée. Ok ? Maintenant, l'enfant que tu as avec toi, que tu prends soin, tout ça, psychologiquement, il n'a pas besoin que tu l'aides, parce que c'est sa responsabilité d'être joyeux. Ce n'est pas de ta responsabilité qu'un enfant soit joyeux. L'enfant il va vivre sa vie. Comme toi, tu as vécu ta vie. Il n'y a personne qui a pris la responsabilité de ta joie de vivre, puisque tu es encore en train de le chercher maintenant. Et ton enfant sera pareil. Parce qu'il est confronté à un monde où tout est chaotique. Et lui aussi, il va perpétuer le chaos s'il continue comme ça. Alors, peut-être ce qui va peut-être l'aider, si toi, tu es en paix, et tu ne lui donnes rien à faire, parce que tout ce que tu vas lui dire de faire, pour qu'il soit heureux, va le conditionner. Donc, ne fais rien pour qu'il soit conditionné à ton goût. Parce que ton goût, c'est le tien. Ce n'est pas la vie.
Ton goût, c'est ce que tu penses. Ton goût, c'est ce que tu as appris. C'est les expériences que tu as faites dans ta vie. Et tu t'es dit, ben moi, je préfère que ce soit comme ça. Parce que hier, j'ai fait quelque chose qui m'a fait souffrir. Donc, je ne ferai plus ça. Donc, ça, c'est ton expérience. Et ton expérience, c'est ton conditionnement. Puisque tu t'es conditionné à ne plus faire ce que tu avais l'habitude. Mais tu as changé. Vas faire d'autres choses. Mais qui dit que c'est ça, la vraie chose à faire? C'est pas à toi de décider pour ton enfant. Il va le décider pour lui-même. Parce que l'enfant, il doit apprendre aussi comment faire pour aimer. Si tu lui dis « aimez-vous les uns les autres tous les jours », qu'est-ce qu'il apprend l'enfant? Il apprend rien, il apprend quelqu'un qui lui dit ce qu'il faut faire. Et donc, quand il n'est pas en train de le faire, pour te faire plaisir, il va faire semblant. C'est tout. C'est ça le problème, c'est qu'on attend quelque chose de nos enfants, on attend quelque chose de l'autre. Non, n'attends rien de personne. Aime-le comme il est. Accepte ses défauts, comme ses qualités. Ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Ne le juge pas. Ok ? Parce que c'est la pire des choses que tu puisses faire à un enfant. C'est le juger pour lui dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu vois ? Mais accepte de le voir comme il est et de l'accompagner. S'il est triste, tiens-lui la main. Dis, maman est là. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas lui dire, ben, sois joyeux, sois ceci, sois cela, je te donnerai des renseignements. Il y en a plein sur la planète. Il y en a trop de monde qui fait ça. Tu sais, tu vas voir, il y a plein de gourous, le prêtre, l'enseignant, le psy. Tout le monde fait ça. Et nous, on fait ça aussi. Ben, on est conditionnés. On conditionne nos esprits à quelque chose qu'on pense qui est bien pour l'autre. Et depuis combien de temps on fait ça? On est en train de tous s'égarer les uns les autres. Tu vois, tout ce que je suis en train de te dire, moi je te dis, doute de ce que je dis. Parce qu'il faut que ce soit toi qui le vive. Tu vois? Et si on est d'accord avec tout, on est d'accord avec maman, d'accord avec papa, ben tu produis une génération de débiles qui répètent tout le temps la même chose. Le papa était docteur, le grand-père était docteur, ben le fils, il faut qu'il soit docteur. Tu comprends? Il faut qu'il soit comme tout le monde, comme on a l'intention, comme on aimerait, comme on pense. Mais ce que tu penses, c'est faux, c'est mensonge. La pensée que tu as dans ta tête, c'est un mensonge. Rappelle-le, rappelle-toi-le, parce que tout ce que tu penses n'est plus maintenant d'actualité. Maintenant, ce qui se passe là, c'est quelque chose de vivant, et c'est ça la référence. C'est pas la pensée. Le passé ne peut pas te donner ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant doit être vécu. Pas ce que tu penses. Ce qui a été, c'est fini. Et ne peut plus revenir. Et ce que tu dis, quand tu dis « je vais dire à mon enfant qu'est-ce qu'il faut faire », c'est ce que tu utilises. Les références de toi qui a vécu ta vie et que tu penses avoir raison. On a raison. On ne connaît rien. Admets-le que tu ne connais rien. Si tu n'admets pas que tu connais rien, comment tu vas faire pour apprendre? Parce que il faut que tu apprennes avec ton enfant. Et c'est seulement là que tu peux apprendre. Quand tu sais que tu connais rien et que tu vois l'enfant qui fait quelque chose et que tu essayes de refroguer quelque chose que tu ne sais même pas toi-même. Tu dis sois en paix, tu ne m'aimes pas en paix. Donc, il faut faire réfléchir à l'enfant. Bien sûr. Parce que là, s'il arrive de l'école, il ne veut pas passer le son. Oui. Mais demain, il va gronder, le lendemain, il va gronder s'il ne veut pas passer le son. Par qui? Par le maître. Eh bien, c'est son problème. Il va subir les conséquences. C'est ça, il faut que maman dise, mais si tu ne fais pas tes devoirs, tu vas subir les conséquences. C'est tout. Est-ce que tu veux subir ces conséquences? C'est à l'enfant de décider après. Si l'enfant dit, bon, ben moi je prends la responsabilité, je vais subir les conséquences, ben maman, tu ne peux pas l'obliger. Si tu l'obliges, tu deviens un martyr pour lui. Il va t'en vouloir. Ben oui, tu vas devenir son ennemi même. Il y a des parents qui font de leurs enfants leurs ennemis. Parce qu'ils veulent que les enfants fassent comme moi je veux.
Je suis ton père, je sais, tu fermes ta gueule. Hein, tu vois comment ça se passe dans notre monde. Et c'est pour ça que le monde va mal. Parce que tout le monde croit qu'il faut arranger l'autre, il faut contrôler l'autre. Il faut dire à l'autre qu'est-ce qu'il doit faire, comment tu dois sourire, quand tu dois sourire, quand tu dois faire des choses. Et au plus haut niveau, eh bien, c'est ce qui se passe. On te dit ce que tu dois faire. Mets ton masque, ferme ta gueule. Et tous, on est conditionnés comme ça. Et on a peur, après, de ne pas plaire. Il faut que tu reviennes aux sources. Il faut que tu saches vraiment qui tu es pour ne pas subir l'autre. Parce que tu es capable, toi, de faire la vie que tu as besoin pour toi. Et cette vie que tu as besoin pour toi, là, c'est inné en chacun d'entre nous. Moi, je ne suis pas là pour te dire comment tu dois aimer et quand tu dois aimer. C'est à toi de trouver ça. C'est ton propre problème. Si on se faisait tous les martyrs des uns et des autres, la justice pour les uns et les autres, eh bien, on n'aurait pas assez de place pour la prison. Aujourd'hui, on met des gens en prison parce qu'ils ne font pas, ils rentrent pas dans les clous de la société. Ils sont hors normes. Mais nous qui sommes dans la norme, nous avons des petits critères, ma maison, ma voiture, je ne veux pas être dérangé, ben on met ces gens-là en prison, on contrôle. Et on crée un monde de débiles. Parce qu'on est, on est violent, on ne discute plus. Parce qu'on a raison. On dit, moi j'ai raison, toi tu fermes ta gueule, tu vas en prison. Et il n'y a pas de discussion. Le gars, il est en train de souffrir à cause de cette société dans laquelle on a établi des règles. Et ces règles, ben, de plus en plus, tu verras, il y a de plus en plus de ceux qui violent les règles. Et toi, qui es dans cette règle, ben, tu dis non, je ne veux pas des voyous, je ne veux pas de personne. Mais tu fais exister ces règles, donc tu as des voyous, tu as des gens qui sont rebelles. Ouais. Alors fais comme ça avec ton enfant, et tu vas voir combien rebelle il va devenir. Oblige-le tous les soirs, quand il rentre, fais tes devoirs, avec un chapeau comme ça, tu veux dire, tu vas voir, au bout d'un moment, ton enfant, qu'est-ce qu'il va devenir? Tu vois? Il va devenir ton ennemi. Parce qu'on n'est pas là pour se dicter la vie l'un et l'autre. La vie, on l'a en nous. Et il faut apprendre à laisser cette vie. Et quand tu laisses cette vie, il se passe quelque chose. De beau. Il se passe quelque chose. Parce que cette vie, elle est autre. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un qu'il faut aimer. La vie lui dit. Il va sur le bord de la mer, il sait qu'il est ébloui par la beauté. Il commence à aimer les fleurs, les arbres, les oiseaux. Tu n'as pas besoin de lui dire ça. Laisse ses enfants nous dire ce qu'on doit savoir. Parce qu'ils ont le cœur beaucoup plus ouvert que le nôtre, qui a été fermé par tous les conditionnements qu'on a eus. Et comment on doit vivre, et comment on doit contrôler le monde après nous. Et on perpétue tout ça dans la lignée de nos grands-parents, de nos parents, de génération en génération. Eh bien, on va leur dire, ben, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux un jour. Écoute, écoute, parce que c'est très important. Mais tu vois que l'enfant, il va prendre ça comme ça pour argent comptant. Surtout nos enfants d'aujourd'hui, ils savent très bien que c'est faux. De plus en plus d'enfants aujourd'hui, moi je discute avec beaucoup d'enfants, des jeunes de 18, de 16 ans comme ça. Mais ils sont éclairés ces gens-là. Ils ont compris que les vieux, les adultes, leur mentaient et que nous sommes des gros paquets de mensonges qui essayent de leur imposer quelque chose qui n'est pas vrai. Ce n'est pas la vie qu'on leur donne, c'est la contrainte de la vie. Ce n'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. Non, on ne veut pas ça pour nos enfants. On veut quelque chose, je ne sais pas, qui va les faire sourire, qui va les faire grandir dans la joie.
mais pas grandir dans la peur que maman ne sera pas contente si je fais ça, blablabla. Après, il y a le petit rat qui tourne, et il devient grand, comme nous, comme les adultes, mais le petit rat continue à tourner, et puis on dit à tous les autres, tu entends mon petit rat, tu fais comme lui, hein, maintenant. C'est ça le problème. Alors, est-ce qu'il est possible de vivre sans conflit? Tu vois la finalité de tout ça? Parce que tu sais, c'est bon de discuter comme ça. Mais la finalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? Tous les 4, tous les 5, tous les 6, ou tous les 7. Tous les 7. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça sert à quoi, tout ça? Toute cette vie de merde qu'on a là? Il faut qu'on passe au-delà de tout ça, quoi. Il y a un moment où on se dit, hey, c'est quoi la vie, quoi? Parce qu'on peut réfléchir encore comme ça pendant combien de temps? 20 ans? Au bout d'un moment, il faudra qu'on fasse une décision. Et la décision de se dire, aujourd'hui, là on le dit, il faut aimer vous les uns les autres, il faudrait qu'on s'aime les uns les autres, il faudrait qu'on soit en paix, il faudrait qu'on... Ça, c'est une discussion. Il faudrait qu'on soit gentil, il faudrait qu'on soit pur, il faudrait intègre, il faudrait. Mais pendant combien de temps on va dire ça? Au bout d'un moment, il faut que tu le fasses. Quand c'est que tu vas le faire? Est-ce que tu es prête à le faire? Est-ce que tu penses que tu seras prête à le faire? À mon sens, non. Tu ne seras jamais prête. Parce que notre tête n'est pas libre. Et tant que ta tête ne sera pas libre de tout ça, eh bien, tout ce que tu voudras, c'est de te dire, mais comment il faut faire pour aimer vous les uns, les autres, tout ça, tous ces problèmes-là, tout ça. Ça va tourner, sans jamais s'arrêter. Et en fait, on va se rencontrer encore dans 20 ans, on va se dire, mais quand est-ce qu'on va vivre la vie dans... Hein? Moi, je dis, il faut vivre cette vie, il faut vivre là, maintenant, vivre l'instant où ça coule, avant qu'on mette le pied dans la tombe. Il faut que tu trouves le moyen pour te libérer de toutes les tracasseries que tu as. Et tu vois, vivre un moment dans ta vie où tu n'as plus de demain. Tu te réveilles un matin où tout est OK. Tu vois la lumière du soleil, là, ça t'émeut. Parce que tu sens que tu es tout ça. Tu es là-dedans. Tu ne te poses plus de questions. Tu dis pas, est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Tu acceptes que tout est là. Et tu acceptes qu'il y a des choses qui arrivent. Oui, ça arrive. Mais tu acceptes. Accepte que les choses arrivent. Ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Parce que autrement, tu ne pourras jamais faire ce qu'on est en train de dire là. Vivre la vie. Vivre la vie qu'il y a là, ça veut dire accepter d'être présent à ce qui se passe, à tout ce qui se passe. Et sans avoir la pensée qui vient de t'abrutir dans ta tête pour te dire, mais est-ce que j'ai fait bien, j'ai mal fait, j'ai ceci, j'ai cela. Parce qu'on est tout le temps en train de courir après une solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de solution. Parce que, tu vois, la solution qu'on a trouvée, c'est celle que la pensée nous a proposée. Quand il n'y a plus la pensée, je dis bien quand il n'y a plus la pensée, quand tu as arrêté avec ces histoires de t'inquiéter, pour quoi que ce soit, toutes les choses qui arrivent, tu t'inquiètes. Et puis tu tournes ça dans ta tête. Mais tant que tu fais ça, mais tu ne seras pas libre. Pour être présent. Parce que le tout, c'est d'être présent. Présent avec ta copine. Sans dire que, qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin? Tu sais, pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, toi? Tu vois? Non. Accepter qu'elle soit comme elle est. Ne pas lui dire comment elle devrait être.
nos tendances à nous les humains, c'est qu'on aimerait que les choses soient à notre goût. Ça n'existe pas. On est 7 milliards de personnes sur la planète Terre et aucune personne sur la planète Terre ne peut être à 100% à ton goût. Donc arrête ton rêve. Il n'y a pas. Personne ne peut être à ton goût. Alors accepte que l'autre, il est comme ça. L'autre, il est grand, l'autre, il est petit, l'autre, c'est Miss Réunion, l'autre, c'est riche, l'autre, c'est pauvre. L'autre, accepte. Accepte que je suis différent de toi. Et quand tu auras accepté ça, alors, le fait que tu acceptes l'autre tel qu'il est, ça va te permettre de voir au-delà de la différence qui t'empêche d'être libre. Parce que ce qui nous empêche d'être libre, c'est toutes les idées qu'on a de l'autre. On dit, oui, mais il ne devrait pas être comme ça. Il ne devrait pas y avoir la guerre en Syrie là-bas. Il devrait avoir la paix. Ben là, c'est ta tête qui cause. Tu es dans l'illusion. Dans le rêve d'une vie que tu aimerais avoir. Et ce rêve d'une vie que tu aimerais avoir n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que tu vis. Autant la vivre. En acceptant ce qu'il y a à vivre. Pas ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais n'existe pas. Pourquoi on court comme ça derrière nos propres illusions? On voudrait tellement faire arriver la chose que j'aimerais avoir. Parce que peut-être que tu aimes bien la vie que tu as, et cette vie que tu as, ça t'a donné beaucoup de réconfort. Et tu préfères rester avec ce que je sais. Tu sais, quand on cause comme ça, il y a une personne qui m'a dit une fois, je dis, oui, mais d'accord, si j'abandonne tout ça, si j'ai plus rien, qu'est-ce que j'aurai? T'auras rien, parce qu'il n'y a rien à gagner. Et c'est pour ça, tu vois, les gens, ils sont toujours dans cette optique qu'on va faire quelque chose, on va faire cette petite réunion, on va causer ensemble parce qu'il y a quelque chose à gagner. Là, tu sais, on est en train de causer comme ça, tu as bien su, tout ce qu'on dit là, il n'y aura rien à gagner. Il faut que tu perdes tout. Il faut que tu mettes tout derrière, tu laisses tout tomber. Et c'est là que tout va se passer. Quand tu seras vide. Vidé. C'est ça, le rien. Être rien. En fait, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Non, parce que, attends, quand tu es rien, tu vois, tu n'as plus besoin d'être quelqu'un pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ça, être tracas. Les gros bien à faire pour faire plaisir à un monde, là. Ça, c'est tracas, ça, t'es. Parce qu'il faut que tu fasses plaisir, tu choisisses un cadeau qui va lui plaire et tout ça. Et si c'est pas ça, comment tu vas faire et... Mon Dieu Seigneur. Non. Arrêtons de faire ça. Non, j'ai arrêté. Tu as raison. Moi, j'ai arrêté parce que ça me prend la tête. Pas possible. Ouais. J'ai arrêté. C'est bien. Et moi, je suis triste. Là. Je ne fais plus de cadeau. Non, mais j'ai arrêté, c'est à cause de lui, en fait. Oui, il ne faisait pas de cadeau. Ben, c'est bon, ça. Ben, c'est ça. Mais au bout d'un moment, tu vois, quand tu es comme ça, moi j'ai une famille, mes enfants, ils insistent à chaque fois que c'est mon anniversaire, ils m'appellent, ils me font un tas de charabia, tout ça. Moi je dis, les gars, arrêtez de vous casser la tête, tout ça. Papa, il vous aime, de toute façon, arrêtez. J'ai pas besoin de tout ça, je suis heureux, tu vois. Et... Bon, maintenant, il commence à comprendre. Mais tu vois, tout ça, ces histoires, c'est commercial. Ça fait marcher la pensée. Ça fait marcher le bien-être, le sentiment d'être connu, d'être accueilli. Tu sais, ah, mon papa, il m'aime parce qu'il m'a dit oui, merci, chérie. Arrêtez. L'amour, c'est pas ça. L'amour ne se gagne pas. On ne peut pas gagner l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se donne,